Non, salut à tous, c'est Wartek, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Arrête! Que la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Bonjour à toutes et à tous, c'est Check Dacru, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo, la vérité sort de la bouche des enfants. On se retrouverait Crachel. Coucou! Coucou! On devrait dire perroquet. J'ai pas un perroquet, hein, moi. Bon, aujourd'hui, gameplay de fond, bah, j'en sais rien, peut-être un gameplay d'un nouveau membre de la rage. La rage 3.0, mon gars, hein. Bon, rien à foutre, aujourd'hui on va parler des fantômes. Oui. Bon alors, qu'est-ce que tu veux me dire sur les fantômes? Ça n'existe pas. Comment ça, ça n'existe pas? Donc toi, tu crois pas direct? Bah, je sais pas. Non, toi, tu me dis, on fait une vidéo sur les fantômes, mais puis tu crois pas en fait. Bah, je sais pas ce que c'est. Alors, comment tu expliques qu'il y a des gens qui ont vu des fantômes alors? C'est n'importe quoi. Des fantômes, ça se voit pas, c'est transparent. Ah bah, il y en a, ils les voient, hein, parce que ça apparaît blanc. Ah bon? Un fantôme, ce n'est pas blanc. Bah, sinon, c'est qu'ils ont vu un drap. Un drap? Un drap qui volait parce qu'il y avait du vent. J'ai envie de dire, hein. Drap, Cortex 91, les pyramides. Merci, c'était la blague. Tu comprends pas, toi, tu connais pas Cortex. Non. Un fantôme, qu'est-ce que c'est par définition? C'est un esprit d'un mort, d'un décédé, qui revient. Ah bah ça je le sais, hanté. Hein. Bon. Ah oui, mais il y a des fantômes gentils. Ah bah il faut savoir, ça existe pas ou il y a que les gentils qui existent? Comment ça se passe? Je sais pas, hein. Personne ne sait si les fantômes existent vraiment. Ah bah alors comment tu peux te permettre de dire que ça n'existe pas en commençant même cette vidéo? Ouais, mais par contre les fantômes ça fait rien. C'est transparent, ça peut rien faire. Ça nous transperce. Ah bah maintenant ça existe et ça nous transperce. Eh moi je veux qu'il y a personne qui me transperce. Eh oh oh, tu vas te calmer direct là. Oui, mais tu veux pas me faire pas transpercer, pas. Non mais oh, c'est quoi cette image là? Mais tu vas pas avoir un fantôme qui passe dans ton corps. Ah non, je ne veux pas qu'il passe dans mon corps. Non, ça va y aller, ça va aller. Mais oui, mais les fantômes ça peut rien faire. Ça peut pas prendre un couteau pour te le mettre. Ah bah justement, il y a des gens qui disent ça. C'est des esprits démoniaques qui disent que ça peut prendre des couteaux, ça peut prendre des objets, ça peut carrément t'atteindre psychologiquement, ça peut entrer dans ta tête, ça peut prendre le contrôle de ton corps. Enfin, toutes des histoires comme ça, quoi. Ah, n'importe quoi. Un fantôme, ça ne peut rien prendre. Ah. Sauf des trucs fantômes. Alors, ça sert à quoi, un fantôme? Rien. Qu'est-ce que t'as déjà entendu sur les fantômes? Bah, on met un drap pour faire un fantôme à Halloween. Oui, mais t'as déjà entendu quoi sur les fantômes? Des histoires, des films, etc. T'as entendu des choses, arrête de dire que t'as rien entendu, n'importe quoi ici. Mais j'ai rien entendu, moi. Bah, bien sûr que si. Bah, bien sûr que non. Bah, pourquoi tu m'en parles alors? Comment tu sais qu'on en parle des fantômes si t'as jamais rien entendu sur les fantômes? Eh bah, je le sais. Voilà, parce que je suis un fantôme. Bah, y'a un fantôme dans tout le monde, hein. Ah. Donc un fantôme, c'est un esprit pour toi, quand même. Bah oui, hein. Eh bah, alors, quand on meurt, on perd l'esprit. Et c'est le fantôme qui se barre. Bah oui. Eh bah, tu commençais cette vidéo en me disant que ça n'existait pas, mais puis maintenant, tu dis qu'il y a un fantôme dans tout le monde. Oui, mais personne ne le sait. Oh bah, tu viens de me dire que tu le savais. Oh. Ça part en couille, cette vidéo. Bon, alors, les fantômes, croyances, superstitions ou réalité? Pour savoir la réponse, envoyez fantôme 82-22 surtaxé à SMS plus coût du SMS. Ça n'existe pas ton truc, je sais pas combien, puis je sais pas combien. Ah non, n'envoyez pas ce numéro, hein, c'est un faux, vous allez faire gagner des sous à TF1 et c'est pas ce que je veux. Bref, fantôme, donc t'y crois ou t'y crois pas maintenant après cette vidéo? Je ne sais pas. T'en as jamais vu toi de toute façon? Bah ouais, non. Et dans la famille, tu sais que y a des gens qui en ont vu. Ah bon? Ah bon? Mais oui. Bon, bah voilà, bah on va pas vous retenir plus longtemps parce qu'en fait, on n'a pas plus grand chose à dire sur ce sujet. Les fantômes, c'est au ciel parfois. Et voilà. Puis ça vole, les fantômes. Ça vole? Oui. Carrément, c'est des voleurs. C'est des voleurs. Non, c'est pas non, possible, ça. Non, pas comme ça. Non, mais ça vole. Ça va comme un avion, mais c'est pas un avion, un fantôme. Un avion? Oui, je sais, ça n'a rien à voir avec un fantôme. Ouais. On va s'arrêter là, hein. J'espère que cette vidéo, quand même, vous aura plu. Si ça vous a pas plu, bah tant pis pour vous. Mais on n'a rien dit! Bah non, on n'a rien dit, mais ça fait quand même 5 minutes de rien dire, donc...
Mais oui, mais les fantômes, c'est génial. Ah, maintenant c'est génial. D'abord, ça n'existe pas, ensuite on sait pas, ensuite on sait que ça existe, mais on sait que ça n'existe pas vraiment. Ensuite, on sait que ça n'existe pas, mais que c'est là quand même dans nos corps. Ensuite, ça nous transperce, donc on sait qu'on en a tous, mais ça n'existe pas. Et maintenant, c'est génial, un fantôme, tu te fous de ma gueule, en plus ça vole. Non mais on va s'arrêter là directement. C'était Check d'Acru et Rachel pour la vérité sort de la bouche des enfants sur les fantômes. Donc bah personnellement j'y crois, mais pas sous les formes que tout le monde en parle. Enfin, je vois les choses d'une manière différente. Tout le monde voit les choses d'une manière différente de toute façon, et ce serait trop long à vous expliquer tu la manière dont je gentil. Vous les vois. Non, je crois que ça n'a même pas de conception du bien ou du mal. C'est en dehors de tout ça, puisque c'est même plus dans ce monde. C'est un monde parallèle. Voilà. Bon, après, c'est trop difficile à expliquer à toi comme à vous. Bon. Mes très chers abonnés, comme dirait. C'est qui dit ça? Jericho Sakik, je crois. Bref, c'était Check d'Acru. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon appétit, moi, et puis je vous laisse. Voilà. Allez, à plus, les gens. Allez, à plus, les gens. C'était Rachel. Bye, 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 bye.